Étienne, Symphorien, Kalala, Banandaï. TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanagwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Voilà, Bandeko Tokutani Lisusu. Makambo Donc, Lelo Ezali Jour J. Jour J, moins A. Moins un coup, tu n'as heureux déjà. N'a pas quoi, boy, diminué déjà, pour cause à la lobby. Lobby na 9 h de Belgique, et puis 8 h de Kinshasa. Jour J, moins un, Pona, réquisitoire. Réquisitoire, il y a procureur de la République. Réquisitoire, c'est-à-dire, vous voyez, réquisitoire. Et cause à la moulaï, hein? Peut-être que, verdict, bakotanga, ti, peut-être, ma condamnation, tu connais, t'as un mot, 2 h, 2 h du matin, 3 h du matin, on ne sait jamais. Il y a tellement, tellement de preuves, de condamnations, des évidences que Vital Kamerhe est vraiment à quoi échapper. Il ne va pas échapper. Bah, preuve aux associations à Prodec, à Monina, la France, des avoirs évalués à 10 millions. Marie-Josée Mengi, Oyo Bakangi, à Koloba, Eskakondima, Akondimate, Hamida, Akokotamabolo, c'est sûr et certain. Pour Vital Kamerhe, n'en parlons pas. Et puis, Toyokilisusuke, bon, on a des rumeurs, hein, que Sami Jamal a lobby, ah, ça ne va pas se passer comme ça, je veux dire la vérité. Eh bien, nous attendons demain, Sami Jamal va dire la vérité. Namoni Angola ba média officiel, mais bon, les allures rumeurs de Yoki, bon. Ba téléphone à ka, tout ça. Ba te bazaka en contact. Donc, ba yebisibiso ndengewana. Donc, il faut rien prendre à la légère. Donc, ba komakanyan sauté la ba média. Et puis, deuxième sujet, un sujet bref. Les Ali, il y a Jean-Marc Kabound ici dans les 48 heures, les Ali sous 48 heures, hein, quel peut-être bah 20 heures, 26 heures, 28 heures, et qu'on a la vendredi. Donc, Jean-Marc Kabound a fondé un conseil d'État, il paraît que procédure bah, respecta qui angoté l'Assemblée nationale. Donc, bah, permetta qui était à se défendre. Normalement, il fallait Azalawana Bayokaye à se défendre. Donc, il paraît que d'après bah, Nungunungu, décision Oekobima dans les 48 heures et cause en faveur y a Jean-Marc Kabound. Mais ceux qui est allé en faveur de Jean-Marc Kabound, c'est-à-dire que votre bah, prévoyait qui ceux qui le 12 pour Madame Patricia Nseya, députée de l'UDPS, donc bah, qu'on votait les sous-soutés, donc et cause à la reporter. Voilà, chers compatriotes, donc là qui s'appelait Bino Mafia Oyo et Salemaki autour il y a député Jean-Jacques Mamba du MLC. Il aurait été corrompu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un média, scoop.rdc. Donc c'est relayé par un journaliste, on l'appelle encore comment, vous allez le voir, hein? De toutes les façons. Voilà, chers compatriotes, on passe
On commence par Jean-Marc Cabot. Je vais inverser. Voilà, chers compatriotes. Andeko, Jean-Marc Kabound, Atiki nano bitumbanayete, Akendaki Kofunda, na Conseil d'État. Donc, ba pesiye 48 heures pour na kopesaye réponse. Mais il paraît, d'après certaines fuites sur scoop.rdc, Bazali Koloba était Bakomi Peyango, qu'il paraît que jugement Oyo Bakopesa na Jean-Marc Kabound dans les 48 heures, il paraît que est cause à la favorable. Ce qui jugement est favorable, c'est que vous considérez que viola qui procédure. Viola qui règlement d'ordre intérieur na kati ya assemblée, ça veut dire que bako voté li sousouté jour wana oyo bapona ki pona député Nseya oyo ako remplacer Jean-Marc Kabound et kozala suspendu ou reporté sine die. Mais watch and see. Balobi 48 heures. Donc, Zalaki na Tongo. Donc, na minute etikali. Peut-être. 28 heures. Hein? 30 heures. Donc, na moni netie kozala vendredi. Vendredi matin. Voilà. Il y a eu beaucoup de désordres. Nous allons également vous présenter une vidéo dans laquelle il y a eu une grande mafia avec Jean-Jacques Mamba et l'Assemblée. Et vous verrez que vraiment, il y a eu beaucoup d'illégalités dans ce dossier de Jean-Marc Kabound. Voilà, tout en allant le reste. Oui, zaliactualité.cd. L'audience opposant Jean-Marc Kabound à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a bel et bien eu lieu ce mercredi 10 juin. Les parties ont toutes comparu et plaidé. Le juge a clos les débats et pris la cause en délibéré. Donc, à cause de la délibération, voilà, dans les 48 heures. Hein. Donc, conformément à la loi, la décision est attendue dans les 48 heures. D'entrée de jeu, la partie défendrait sa sollicité une remise pour lui permettre de prendre connaissance des pièces qui ne lui ont pas été communiquées. Préalable que le juge a, après délibéré, rejeté car, estime-t-il, la demanderesse avait la possibilité de se défendre malgré que les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées en annexe de la requête du demandeur. Les parties ont débattu sur plusieurs questions, notamment l'incompétence du tribunal, l'absence du recours préalable, moyen soulevé par la défenderesse, la partie défenderesse, les avocats. De leur côté, les avocats de Jean-Marc Kabound ont notamment soutenu que leur client n'a pas été soumis à une procédure contradictoire avant de se faire destituer au cours d'un vote. C'est-à-dire, destitué à qui y est, bengi y était, interrogé y était, pessié moyen à quoi se défendre était. Donc, voilà, le bic est allé procédure illégale. Jean-Marc Kabound conteste toujours sa destitution intervenue le 25 mai 2020 par Blaise Baïzé. Bandeko Boyoka Pebotala, parce que sa vidéo, Mafia Oye le Kaki la pétition. La pétition à Jean-Jacques Mamba, Oyo MLC, Oyo PPRD ou bien FCC.
Utilisaki pour destituer illégalement Jean-Marc Kabound. C'est très honteux. Là, Daniel Safou Balia qui 15 000 dollars. Daniel Safou et Azapé Nakati. Incroyable. Donc, ça veut dire que Daniel Safou, Yepé a commis Pénacan, il y a PPRD, hein. Gamoutna l'obité, hein. Donc, Boyoka Binomoko, hein. Boyoka Binomoko vidéo. Voilà, chers compatriotes. Nous, on a fait que relayer la vérité de ce qui est publié sur les médias. Voilà, chers compatriotes. Botala Binomoko. Vous allez vous habituer, il y a un média que j'aime beaucoup, qui révèle beaucoup de choses, qui s'appelle Scoop RDC, le média de mon ami Innocent Olenga, qui a dit que pour avoir la tête de Jean-Marc Kabound, le FCC a dépensé 85 000 dollars. Et Innocent Olenga donne les rubriques de ses dépenses. Il dit que le FCC est allé consulter un MLC, un professeur d'université qui est député, qui a pris 25 000 dollars américains. Mais lui, ne voulant pas se salir dans cette affaire, il va aller chercher son petit. Je cite le site d'information Scoop RDC. Il va aller prendre Jean-Jacques Mamba, à qui il va donner 20 000 dollars. Donc ça fait 45 000 dollars du FCC. Et Jean-Jacques Mamba, selon le site d'information, 20 000 dollars en poche, il va enclencher le mécanisme contre M. Jean-Marc Kabound. Scoop RDC donne ainsi raison aux gens qui pensent que M. Jean-Jacques Mamba a été acheté, que M. Jean-Jacques Mamba a été recruté par le FCC pour faire mal, pour obtenir la déchéance de M. Jean-Marc Kabound. Et le média révèle que le professeur MLC prend 25 000, Jean-Jacques Mamba prend 20 000, un autre acteur majeur dans cette affaire vient rentrer dans l'action, c'est le tout nutriant député Daniel Safou. Mon ami Daniel Safou va aussi rentrer dans la danse et selon les médias en ligne, Daniel Safou va recevoir 15 000 dollars américains. Le reste est de l'argent pour faire 85 000 dollars américains. Chaque signataire avait 500 dollars. Lobine à 9h de Belgique et puis à 8h de Kinshasa. Jour J, moins 1, Pona, réquisitoire. Réquisitoire, il y a procureur de la République. Réquisitoire, c'est-à-dire, voyez bien, réquisitoire. Et cause la moulaï, hein. Peut-être que verdict bakotang ti, peut-être bakon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Mbote Nabino Banso Bayimboka Bandeko Balingi Congo Mboka Yabakoko Mboka Oyo et Tonda Bomengo Bomengo Yo Zambe Ape Sabiso Me Banguna Balinkoti Kabisote. Voilà, chers compatriotes, pour ce soir, nous avons quelques deux ou trois articles, il y en a beaucoup, on ne sait pas les parcourir tous, sinon on parlerait jusque demain. Voilà, il y a des preuves irréfutables contre la famille Caméré, contre Vital Caméré. En fait, c'est des immeubles qu'on a trouvés en France, dans les Yvelines, hein. Donc pour environ 10 millions de dollars. Donc, Vital Caméré a intérêt de plaider coupable parce que les preuves sont là. Il devra justifier de ses avoirs de 10 millions. Et le dossier se trouve déjà entre les mains du procureur général. Voilà. Le deuxième sujet. Le Liban accepte de coopérer avec la République démocratique du Congo pour l'extradition des enfants, des fils de
Monsieur Sami Jamal. Donc, les deux Jamal sont extradés. L'assistante de Hamida Chatour s'est finalement présentée au parquet général. En se présentant, il y a eu 6 heures d'audience. Après 6 heures d'audience, elle a été maintenue sous mandat d'arrêt provisoire. Bon, les Congolais disent MAP, hein, bah, MAP payé. Donc, ça veut dire, on t'arrête, tu es sous mandat d'arrêt provisoire. Ça veut dire Makala. Voilà. Chers compatriotes, bon, il y a un troisième sujet, on va voir. Ça ne va pas du tout à l'Est. Donc, Barouandé n'a pas fardé désobéissant. Bazali qui a collaboré ouvertement à Barouandé sur notre sol. Donc, Kagame se montre maintenant ouvertement contre nous, contre le Congo. Voilà. Nous allons lire l'article. Bon, vous permettez aujourd'hui, je suis en train de lire cet article sur... mon ordinateur, donc on ne verra pas ça ensemble. Mais je vais citer les titres. Donc, ce sera facile. Voilà. Permettez, je cherche l'article comme ça. La source est fiable, cher compte. Patriote. Voilà, l'article a été publié par APRODEC. APRODEC, c'est l'association pour la promotion de la démocratie au Congo, dirigée par Benjamin Stanley Kalombo. Les informations d'APRODEC sont une source fiable à 100%. Je connais APRODEC, j'ai déjà été avec cette association à la Cour pénale internationale déposer des plaintes là-bas. C'est une association sérieuse. Alors, je lis l'information. Bon, Bagominini, APRODEC, Vital Kamerhe et compagnie ont tout intérêt à plaider coupable. Les Congolais veulent juste récupérer leur argent. APRODEC a fait rapport au procureur général de la République, PGR, sur les biens achetés par Vital Kamerhe et Hamida Chatour en 2019. Dans la ville de Maul, Bakomakayango, M-A-U-L-E. Maul. Dans les Yvelines, les autres départements, les années qui n'est pas la biseau, province, hein? Bango, Balovara département. Bon, c'est en France. Il y en a pour 5 millions, mais là, ils disent au total 10 millions. Bon, c'est selon, c'est par Benjamin Stanley Kalombo. Il a publié ça sur son profil Facebook. Flash, demande de saisie conservatoire des biens du couple Kamerhe planqué en France. Le total des avoirs du couple Kamerhe planqué en France depuis mars 2019, Boyoki, donc depuis le mois de mars 2019, hein, jusqu'à ce jour, est estimé à 10 millions de dollars, dont l'origine est illicite. Détournement de fonds publics, corruption, rétrocommission, etc. Selon une enquête exclusive de l'ONG APRODEC. Vital Kamerhe et Hamida Chatour pourraient être poursuivis en France, notamment pour blanchiment des capitaux. Finalement, Vital Kamerhe et compagnie ont tout intérêt à plaider coupable. Les Congolais veulent juste récupérer leur argent.
La marmite est en ébullition. Benjamin Stani Kalombo à Prodec. Voilà. Ils disent qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Et on va attendre le réquisitoire, hein, tout cause de la réquisitoire. Le 11 juin, ils ont psychaté. Hein. Bah bien, Yango, on a les invisibles. Bah, Tini, déjà, rapport et pas PGR, hein, procureur général de la République. Donc, il n'y a pas moyen que va s'échapper. Donc, une autre information concernant Marie-Josée Mengi. Où est-ce que j'ai laissé cette information? Patientée. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ouais, c'est là. Bon, Sikoyo Tozalina, dépêche.cd. Dépêche.cd, Ezali Média, en ligne. Ezaya ba Congolais. Donc, Bango ba komi boye. Procès 100 jours. Marie-Josée Mengi, Kandundu, mise sous mandat d'arrêt provisoire. Yangwana Ezaya Lelo, le 8 juin 2020. Donc, voilà, Nathan Gelabino, Yango, Ezamoulagite, donc, va commis. Kinshasa, le 8 juin 2020. Marie-Josée Mengi, citée lors de la dernière audience comme secrétaire particulière d'Amida Chatour Kamere, a été mise sous mandat d'arrêt provisoire lundi 8 juin 2020. Cette arrestation est intervenue après son audition au parquet général près la cour d'appel de Matete à Kinshasa Limité. Donc, Boyebi, police nationale, Batindaki, mandat de recherche, hein, avis de recherche. Batindaki en gros partout. Donc, Alingaki a s'échappé, hein, finalement. Nayoki lissous que Baninga naye ba pessier conseil que Aken ne s'est présenté, hein, il vaut mieux. Voilà, finalement, cet avis de recherche. Et Bangisiye, donc, a préféré qu'on s'est présenté. Et là, les décisions peut-être seront atténuées, hein. Donc, Moutousoke a la si bonne volonté à se présenter. L'heure, bah, qu'on condamné, bah, qu'on considéré, bon, bah, circonstances atténuantes. Akimaki, mais bon, il y a mon quoi, il y a qui ça, tout ça. Ce qui est là qui, 2 ans ou 3 ans, bah, diminué, comme il 2 ans ou 1 an et demi ou 2 ans avec sursis. Donc, c'est selon. Mais batoné qui massaro, bakimaki, bakangiye, ils ont déjà circonstances aggravantes, hein. Ils ont déjà circonstances aggravantes. Et puis, la banda qui s'exhibait dans les millions, partout, il est arrogant. Peut-être, Azali, quand ça a été, bon, bakangiye, bon, on a planqué les millions en gars quelque part, hein. Attends, à Sali 10 ans. Bon. Nazali, Nazana, le jeune homme, hein? Ce qui. Azan, moi, 80. Moi, 80. Azan, 40 ans, donc dans 10 ans. À cause de 50 ans, bon. Peut-être à l'obi, je m'en fous. Hein? N'a planqué en gros quelque part. N'a qu'au jouir. N'a bambongoana. Mais les Congolais veulent le retour de leur argent. J'espère qu'on va saisir. Tous ces immeubles qu'il a acheté à Kinshasa, ses véhicules et tout ça. Et il a de la chance parce que si c'était à Guantanamo, on lui ferait une simulation de torture là dans l'eau. Hein. Et puis il va cracher, hein, où il a planqué son argent.
Je ne conseille pas pour qu'on fasse cette torture-là, mais bon, parfois pour obtenir des aveux, on a recours à des tortures soft. Voilà, chers compatriotes, parce que quand on est trop bon, on est couillon. Ah, mais oui, mais c'est une expression populaire, hein. C'est trop bon, trop couillon. Dans notre pays, ils font encore un peu de dictature. Hein. La justice, oui, mais au vu de tout ce que nous voyons, du désordre, de la Kabylie, tout ce qu'ils nous font dans ce pays-là, ah, il faut une main forte, une main de fer. Hein. Oui, dans la démocratie, bien sûr. Voilà, chers compatriotes. Alors, il y a une information que j'aurais du mal à trouver, mais je pense que je vais la chercher. C'est-à-dire, message au Balobic, Liban, Nakongo RDC, Bayokani, Baextrade, Banaya Jamal, Oibakimakiwana. Peut-être ça occasion. Ba récupérer Mbongo, oh, il y a 10 millions, oh, yo. Sami Jamal à Tindaki na Liban. Voilà, beau patienter, Naluka, information, wana. Donc, j'espère que je vais trouver rapidement. Prenons patience, je vais trouver, voilà, j'ai trouvé le site. Alors, j'ai trouvé le site, l'information. Il y a toute une liste ici. Ah oui, Marie-Josée Mengi, collaboratrice d'Amida, Camer aux arrêts. Oye, Zali Politico.cd, Totanganan. Version Nabango, et cause à moi, commentaire. Par rapport à version et à dépêche.cd, aux alliés politico. Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté, je sais pas. Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Venir Bango, hein. Donc peut-être Bango baye bani pena Liban que Baza Batumoko y a mafia. Donc directement. Bandimi, donc la Mikolo et Koya, Kalamingité, donc Bako extradé, Banaya Jamal, Mi Baleo, Bazaraki cité. Donc, na dossier wana y a détournement, la corruption. Donc, Banwana Bakozonga, Bakozara entendu, et c'est sûr et certain que Bakozonga te Koko Malamakala. Il y aura déjà dans ce dossier des maisons préfabriquées, il y aura deux familles entières en prison, la famille Jamal
et la famille Caméré. Bon, peut-être que... Souraï... Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikalambote, Wandugwapenzi, tout la Malisa, tout en a la Kesho, Pampangiamono Yaluzoro. Benou Bikalambote, Betou Tamalana, Mbas. Bala Betou Bas suivez, Chalai Bip, Nitoumoulan, Chikondo Chikwabu Kovideo, Mukwabu. Ana Lingo Amboshila.